la guerre ne meurt jamais. Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringuy. Aujourd'hui on est sur Fallout avec Fringuette. Et écoutez, on va aller voir tout de suite comment ça se passe. Allez, on fonce. Et voilà les petits loulous. Donc on est arrivé direct à Morgantown. Donc nous étions à Sutton. Et la prochaine mission est là. Trouver le journal suivant, mais ici c'est Morgantown. Donc on est... la gare de Morgantown, donc de plus, un petit con là, vite fait. Et on va traverser toute la ville pour aller au lycée. Donc ça, il y a pas mal de monde sur le coup, donc c'est pas mal, on va partir direct tout droit à travers. On flânera tout ce qui se traînera. On les flâne, on les découpe, on verra. Et l'ambiance est vraiment étrange, là, comme vous pouvez voir le... coucher de soleil dans le brouillard, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mal. Alors faut se méfier parce qu'il y a des méchants qui traînent dans le coin. Il y en a trois là-bas, ils m'ont pas vu. Non. Ah, lui il m'a vu par contre. Il y a la momie née. Viens là. Oh regarde, il s'accroche un peu à l'autre quoi, allez. Ouh, ah, voilà. Alors je peux balancer des grenades. Quand il y a des malades, il se fait fuir à chaque fois. Bon, ça mérite d'être clair. Je sais pas ce qui va arriver. Je vais prendre je vais prendre quelque chose à bouffer là, parce que je me sens pas très bien. Parce que... laisse me soigner un peu toi quoi. La grenade a été d'une efficacité foudroyante, c'était très bien. Et puis maintenant on va continuer. On va aller à Morgan au lycée, donc manifestement ça a l'air tout droit. Il y a un point en bas là à côté de Est, c'est un petit collègue qui traîne là. Je sais pas s'il va faire la ligne en train de faire la mission. Il y a un event ici. Mais bon, nous, on va faire notre mission de toute façon. S'arrêter pour récupérer 2-3 trucs. On le récupère, on les a amassés, j'en ai suffisamment. Ça par contre je peux l'ouvrir. Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Oups. Non, c'est pas ça. Oh par contre mes épingles partent un bout de chagrin j'ai l'impression, non. J'en ai si peu que ça. Bah que j'en rachète. Ou que j'en trouve. L'eau sale, non, ça m'intéresse pas de la bouffe, je veux bien par contre. Bah, je l'ai vu mon petit collègue, je l'ai vu, il est niveau 33. Ouais, on joue un event, il y a un event ici. On doit vers la collision. Tiens, ceci est un message de la plus haute priorité. Le radar a repéré un cargo bot en approche. On doit sécuriser la zone d'atterrissage pour qu'il procède au largage. On a besoin de son matériel, mais le cargo bot va attirer l'attention. Préparez-vous à vous battre. Ah ouais, mais là mon gars, on n'a pas pris de faire ça. Hein. À tous les Samaritains, un cargo bot entame son approche finale. Oh, j'ai même pas fini là. Je viens d'entrer dans l'event, j'ai rien fait, puis j'ai gagné quelque chose. Bon alors franchement c'est nickel ça. Ça arrive, ça arrive. Bon, nous faut qu'on aille de l'autre côté. Donc il y a un pont là-bas. Je suis pas tout à fait au bon endroit, donc on va traverser là. Éviter de se noyer dans l'eau, tout
dégueulasse. Et on arrive à Morgan Town. Alors lui ici il est par là-bas. Donc on va y aller tranquille. Tiens, il y a un deuxième joueur. Ah, il y a des joueurs. Là c'est l'arrivée des... la mission, hein. C'est les mêmes missions qu'ils font, donc ils arrivent un peu au même endroit que moi. Donc c'est pas trop mal. Donc je sais que là, il y a un Red Rocket. Il n'est pas marqué sur le plan. Mais il y en a un. Donc c'est bien de voir où. Si vous tombez dessus, c'est tant mieux. Là il y a du cool qui traîne, donc je vais déjà me débarrasser, je vais démonter un peu. Je vais récupérer un peu le matos là autour. Je vais le démonter, je vais le foutre dans mon établi. La colle, des draps, machin. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Là nous avons toujours notre petite cache, normal. Un peu de bouffe, ça j'en ai besoin, ça j'en ai pas beaucoup. Boîte de conserve, un autre fallout c'était de l'aluminium, mais ici c'est pas vraiment le cas il me semble. Quoi qu'on va faire le test parce qu'en fait j'ai jamais regardé ce coup, je vais prendre un... du calibre 12 aussi ça m'intéresse. Un démon de pneu, arme de poing. Ça m'utilise, je vais prendre si j'ai assez puissant. Et puis, non, il faut que je le fasse manuellement. Alors, bric-à-brac. Ouais, acier plomb. Ouais, acier plomb quand même. Oh, intéressant. Moi, je prends des autres. Alors, ça donne pour... Ouais, de l'acier, on en a souvent à foison, mais du plomb, je savais pas qu'il avait mis du plomb. Alors, ça, c'est savoir. C'est bien de quelquefois faire un par un pour vraiment pour savoir ce qu'il y a, quoi. Ça j'ai jamais vu, je croyais que c'était de la lue, mais à un moment donné je me disais non c'est pas possible, c'est pas de la lue. Mais ça c'est nickel, ça me fait du plomb pour réparer mes flingues. Par contre comme d'hab, hein, par contre toutes les armes aussi qui ne sont pas utilisables, comme le démon de pneu, on les démonte en hein, quartier. Oups, non, ça je le garde, j'en ai qu'un. Ça hop. H multifonction, combien? 37, ouais je vais le garder. Ça me fera arme de poing, ça les amis. Arme de poing. H multifonction, ok. Et puis on a. Oh, regarde, tout est sélectionné, on est d'accord. Alors ça, je vais foutre tout ce barda. Enfin, de l'argent, je n'ai rien à foutre. Ça vaut plus rien. Je vais mettre tout ça là-dedans. Par contre, ça, faut que je mette mon. Ceci. Ouais, je vais check perfect orange et j'ai le machin décidément parfois le truc il sait plus où il en veut. Il sait plus ce qu'il fait. Je mange un peu là. Voilà, on va prendre la hache. Zoom. Les stats. Charge de dégâts des armes, d'énergie, diminuée. Minute 50% disons. Ah ok. Ah ok. Donc ça c'est ces effets de mutation, on va dire. Les effets de mutation. Il est mort lui? Non il est pas mort. Et il veut pas se lever. Donc c'est pas grave, je vais le faire. D'autres amateurs? Est-ce qu'il y a d'autres amateurs? Non? Bon. Bon. Ah méchant. Attends, je vais t'apprendre à me foutre un coup de fusil, moi. Bon, par contre, la hache, elle est super puissante, mais elle est super lente. Là. Des sacs d'argent. Non? Non? Bon. Je vais repasser à la machette quand même. C'est plus efficace. Ah, y a un truc là en haut, on va monter sur le toit pour voir s'il y a quelque chose déjà. Avant d'aller à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a là? Petit escalier. Ah. Pour faire l'école buissonnière. Par contre, on va
C'est ce que je pensais là tout de suite, je le dis quand je le pense, j'y ai pensé aujourd'hui aussi. Dis le mode. Le mode qu'on a sur Fallout là, qui va sélectionner les ennemis pour leur tirer les jambes, la tête. Faut que j'en trouve un. Ce style là, on va pas s'en servir. Peut-être pour trouver les ennemis si on les voit. Mais on va pas les utiliser pour tirer. On va le faire à la main, comme d'hab. Si on est un ou qui en est 15, on va rester comme ça. Juste pour voir si cibler la cible, si on l'a, on a du mal à la voir dans la végétation ou je sais pas quoi d'autre. Mais on va pas l'utiliser sur ce coup. Par contre là la bouffe franchement ça devient crâle, ça craint, faut que j'en trouve plus que ça hein, parce que c'est pas terrible hein. Puis ça remonte que dalle hein. On va prendre des drogues, hein, tant pis hein. Alors si on est venu sur le toit c'est bien qu'il y a quelque chose d'intéressant non? Rien d'intéressant hein, sur le toit? Non? Bon, dis-moi pas ça. Il y a un truc là-bas, on va aller pour prendre ça là-bas. Un vélo, barbecue, ouais d'accord. J'aimerais de la bouffe s'il vous plaît. Donne-moi plus que ça. Non? Oh non. Il est où? Un autre escalier pour là-bas. On va remonter celui-là pour voir. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose sur les toits. Hein. Je vais recharger mes flingues. Et on va rentrer direct. Oups là. Oh mais loupé, sérieux. Oh mais quand même hein. Ah, j'aime pas ce viseur, c'est horrible. Ah mais en plus il a même pas laissé, il m'a même pas laissé son flingue. On sait qu'il y a une entrée sur le toit, on va rentrer par le toit. Allez, petit loup, on y retourne. On va leur apprendre à déglinguer fringuette sans raison comme ça. Alors qu'elle vient se promener et chercher quelque chose dans le bâtiment. Mais franchement. Ah, je récupère mon petit stuff. Et on va rester à cet étage là, on va faire cet étage, après on va descendre vu qu'on arrive à fermer la porte, comme ça on sera obligé de l'ouvrir. Un flingue. Ça nous donne du poly... Du truc qui m'intéresse pas. Je m'en rappelle plus de la ressource. Donne des trucs qui m'intéressent pas. Donnez-moi de l'argent, donnez-moi de la bouffe s'il vous plaît. Moi je suis à fond avec vu que je suis mort. Bon ça va pas comme ça, on se blesse. Donnez-moi du plomb. Donnez-moi du plomb. Pas que j'ai trop vite, mais j'ai tellement tendance à aller vite que je loupe la moitié des choses. Bon, voilà. Une cafetière. Donc, on a cette porte là. Bon, on va faire celle-là. Il n'y a rien d'intéressant. Déverrouiller. On va déverrouiller. Faudra que je m'achète des épingles. Les épingles à cheveux ça vaut une fortune aussi. Hein. On peut les vendre aussi. On les a dispo, on peut les acheter puis on peut les vendre aussi. C'est à cher. En moins de cata. Deux fois d'un coup quoi. Non mais. Un petit
lit pour dormir. Ah, un cache à capsule là. Des munitions. Plateau repas, c'est censé ou c'est de l'alu, mais c'est pas sûr. A voir. Le globe, j'en ai pas. Munitions. Alors, on termine pas avoir de l'huile dedans. Ok. Elle soupire, ça veut dire qu'elle est en surcharge. Donc faut se méfier. Bon, c'est vrai que je peux prendre un fond de matos parce qu'ils ont tellement d'argent les marchands que je peux tout leur refourguer, ça suffit amplement pas. Là on pourra descendre, mais plus tard, on finit d'abord l'étage. Le plan mon œuvre, ça changera bien. Oh tous. Ah, je suis déjà en charge. Donc là maintenant on serait bien de me trouver un atelier dans le coin. Donc là il n'y a pas d'autre porte, s'il n'y a pas d'autre porte. Là on a une autre salle. Ça je suis désolé, je suis obligé de le prendre. Petit jouet aussi. Petit pack purifié. Tu regardes là, avec crâne, ça c'est des os, ça franchement on a pas besoin, je sais pas pourquoi j'ai pris. Mais bon, il y a des crânes, et puis quelquefois il y a des crans, c'est de la bouffe. La céramique, ça c'est de la flotte, j'en veux pas, d'aller là. Prendre la flotte. Oh, je vais être encore full surcharge. Il suffit que je trouve un atelier, je démonte toutes les armes, ça va être réglé, hein. C'est vite réglé. Hein. Et là, on n'a plus rien à ce niveau-là. Ah, par contre ça, citrouille en plastique, moi je vais bien. Merde, je suis coincé, je suis coincé. Oh, je vais quand même baisser, hein. C'est là par contre. Bah voilà. J'ai eu peur. Donc, par contre quand on saute ça on perd beaucoup d'énergie donc... Là vu que je suis en surcharge... Peut-être par appui, il faudra que je regarde à quoi, qu'est-ce qui... Ce qui est intéressant dans les parapluies, démonter. Là, le truc du superviseur, il est là-bas, ok. Finir de fouiller par là. Bouteille de whisky, ça veut dire que c'est une bouteille vide, donc j'en ai pas besoin. Bien fouiller tous les placards, hein, parce qu'on loupe des trucs. Hein. Et là, écoutez, on prend la parapluie là.
écouter ce que nous dit notre petite superviseur. Allons-y. Journal personnel du superviseur. J'étais en première quand on m'a appris que maman était morte. Un accident dans la mine. Toutes les familles de Virginie Occidentale ont une histoire comme celle-là. C'est juste... On pense que ça n'arrive qu'aux autres. Papa était effondré. J'ai commencé à passer encore plus de temps à la bibliothèque. Et j'y étais déjà la majorité du temps avant tout ça. Et Evan... Mon Dieu... Evan... Maman me l'avait présenté à peine quelques mois plus tôt. Il avait terminé le lycée un an avant moi. Et était parti directement dans les mines. Il était tellement canon. Oh, oh et ses bras. Aucune fille de Virginie Occidentale n'aurait pu y résister. C'est incroyable qu'il soit resté avec moi. Après les obsèques, je ne voulais voir personne. Mais il était là. Il venait à la bibliothèque après son service pour qu'on partage un repas. Jour après jour. Quand ma carrière s'est envolée et que j'ai rencontré les gens de chez Voltec, ça a été comme un déclic. Protéger les familles, protéger leur avenir, protéger les États-Unis. La première chose que j'ai faite après avoir reçu la lettre d'acceptation de Virginie Occidentale, c'est d'aller sur la tombe de maman avec papa. Il était heureux de savoir que je restais en Virginie Occidentale. Et moi aussi. C'est une jolie photo, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, par contre, elle nous a pas dit où on allait, hein. Après la suite. Bon, allez, on va vider ces casiers, là. C'est quand même assez grande, cette école, hein, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai loupé. Ah, il est très efficace pour juste tirer dans le gars. Hein. Et... Oh. Tiens, ça... Ça dé. Ah, nounou, ça. Je sais pas c'est qui m'a tiré dessus, mais j'ai entendu. Peu de caoutchouc, vas-y pour le caoutchouc. On va prendre ça aussi. Je suppose qu'il y a un méchant là-dedans. Non? Bon, microscope, d'accord. Du vierge, c'est bon. Le poisson, on peut pas. Microscope, toi. Ah, chouette. Pour avoir des ressorts et tout ça, ça peut être sympa. Enfin, c'est du bois, j'en ai rien à secouer. Donc je vais démonter, mais par contre, je vais voir les parapluies. Si, bon, de toute façon, les parapluies, on n'en trouve pas beaucoup. C'est vrai, mais j'ai bien envie de voir à quoi. Porte-parapluie, voilà, parce que c'est très bien. Moi, je veux le parapluie tout court. Et où? Bah. Un parapluie. Ah, on sort. Intéressant. Voilà, ça c'est démonté. Par contre, des armes, faut pas que j'oublie. C'est tout du 5. Donc, on peut démonter. Batte de baseball, ça m'intéresse pas. Couteau de combat, couteau de combat. Ça c'est juste. Ça je le vends. Ça je le démonte. C'est de la dope. Client plomb, je le démonte aussi. Fusil de chasse. Fusil à pompe, ils sont tous en bon état. Je garde le dernier. J'ai quelque chose là, non, voilà, donc dans nos objectifs on est pas mal, je vais remettre mon calibre 12 ici, paf, je vais remettre mon couteau de combat, non pas là,
Le couteau de combat. Ça, c'est juste un truc de dingos. Et là, je suis plus en surcharge. Ça va quand même super bien. Démontage, c'est quelque chose de terrible. Alors là, on a visité cet endroit-là. Je crois que là, c'est... Terminal. Je sais plus à quoi il sert, terminal. Ah. Bon, bon. Au pire, on aurait pu ouvrir la porte à la main. Donc, qu'est-ce qu'ils nous cachaient ? De si important là-dedans. Je crois qu'il y en a un qui se promène sur un bidon, je crois, je sais pas. Bol, non. Ah, ça doit être ça ou je sais pas qu'est-ce que c'est. Qui s'énerve, mais je vais bien, tiens, je t'apprends d'avis. Ah bah voilà, c'est lui qui se promène dans un bidon. Regardez s'il se promène pas dans un bidon là, sérieux. Hein, tu vas le lâcher, bidon méchant. Voilà, voilà, le couteau c'est comme ça les amis. Couteau de combat. Ça le mérite d'être clair. Mais quoi, il aura fini de se promener dans le bidon. Faire du bruit, franchement, ça fera intéressant. Alors, on va prendre tout ça. Donc là, on est manifestement dans la cantoche, la cantine. Pas prendre trop de trucs non plus. De couleur, je crois que c'est des bols en plastique, mais je suis pas certain. Assiette en plastique, on n'a pas trouvé la couleur. Assiette en plastique, 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 plastique. Par contre, la lumière elle éclaire pas des masses. Hein. Par contre, le nounours à moitié dans la table, c'est pas mal. Chercher les assiettes. Les ballons, on va dire que c'est du plastique aussi. Bon, après, suivant le son, on pourrait dire tiens, c'est pas du plastique, mais on n'est pas sûr, donc c'est pas trop grave. On va récupérer tout ce qui traîne. Ça, on verra bien, hein, si on trouve avec 30 tonnes de céramique, ben, fait que c'était pas du plastique. Ouais, c'est plutôt des verres en verre. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Il n'y a jamais rien là-dedans. Bon, la suite, on était là tout à l'heure. Il y a encore un ours tout frappadin. Il est arrivé par là. On va passer ça, ça pas lâche. Ok. On est récupéré une petite. De plastique. Il y a rien d'autre. Bah, fermer la clé. J'ai pas le niveau. Bon, tant pis. Alors là, il y a de la citrouille. Hein.
ça peut prendre quand même. Ce jeu, ça peut prendre quand même vite du temps pour fouiller tout. Hein. C'est un truc de flingué. Hein. Pot de peinture, avant, dans le temps, les pots de peinture, il y avait du plomb. C'est pas systématique. Par contre, j'ai soif. Je peux boire, j'ai assez d'eau. Hein. La crème, c'est pas le pire. L'eau, c'est pas le plus compliqué à choper. Qu'est-ce qu'on a ? La cigarette ? Mais. Le fait que les gamins ils fument dans l'école, non mais oh. C'est honteux ça ? Ouais, c'est honteux. Ah, c'est toi qui clean ? Ah, tiens, viens, tiens. Il est carrière celui-là. Hein. Puis toi là. Moi d'habitude les niveaux 1 à coup de 3 coups de couteau, 2 coups de couteau c'est bon. Hein. Ça te plaît hein. Tiens. Non mais. Donc là on est dans les water. Intéressant. Bien caché en tout cas. Ça me semblait un peu étrange, hein. Trois goules là-dedans pour rien. Cigarette, bien sûr, ils vont fumer dans les toilettes. Et ça, le gamin. J'ai à prendre vite quelque chose parce que vraiment je vais crever puis je vais repopper dehors, ça c'est un peu agaçant. Alors on va se prendre de la bouffe. Prendre fusil à pompe direct. Mixer le boss. Ça va, par contre il m'a mis deux prix, ça m'a suffi hein. Efficace sur le coup. Hein. Fusil de bonne portée, parce qu'autrement. Faire le tour déjà des. Des esplanades, des tribunes. Et après, on va faire le tour de la salle en milieu. Pas mal de petits trucs à récupérer. Donc, bien sûr, faudra que j'arrive à ouvrir ce truc là. Non, j'ai plus d'épargne. Oh non, alors ça c'est terrible ça. Là que j'en trouve. Bon, alors ça, déjà aussi. Oh, j'ai plus d'épargne, faut vraiment que j'en aille en acheter. Ah, j'en achète, donc j'en ai pas trouvé. Oh là là là. Ah, je fais mon stock de plastique. Moi, je vous le dis tout de suite, les petits loups, les petites assiettes. C'est tout du plastique, ça. Paf, 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 paf. On va aller chiquer, je vais en secouer. Le petit jeu à loulou, un petit ballon. Y a rien, là il y a des cruches en VR, on s'en fout. Faut un tour là-dedans. Là, j'ai fait un joli petit truc qui nous intéresse. Une recette aussi intéressante. Tirer sur les bignons. Moi je tire, je peux, j'ai le droit. Sur le chat et la citrouille. Ah là, t'as un petit truc de bouffe.
ici aussi. Merci. Je vais prendre des boules de golf. Et puis je crois qu'on est bon les petits loulous là. Hein, que vous en pensez? Encore des citrouilles ici. Du bois j'en ai pas besoin. Petite voiture. Nickel cola. Et ben voilà chers amis, cet épisode est terminé. Et j'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voir le suivant. Là tout de suite maintenant, tout de suite maintenant. Et en attendant ça, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Donc faites comme ça. Et puis on se retrouve au prochain épisode. Donc, tchou! Merci d'avoir choisi Poulowski. What you see.